Je sais pas par où attaquer. Bonjour les internautes et bienvenue en Luberon, côté sud. Alors, nous sommes dans un parc naturel régional du Luberon. C'est 4000 pièces qui couvrent tout ce qui est la viticulture, tout ce qui est la tonnellerie, tout ce qui est la mise en bouteille. Ah voilà, c'est un raisin noir qui, donc là, qui est en train de mourir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à déguster du vin. Ils mettent les barriques à moitié construites avec un feu au centre qui va chauffer le bois. Alors, celui-ci est un pressoir qu'on appelle un pressoir perroquet. Ici, nous sommes sur un vin blanc avec des jolis reflets verts, une robe assez claire. Les plans américains, c'est dû à l'attaque de Phylloxera au début du siècle d'avant. Et ce pressoir avait l'avantage de développer une grande pression avec un minimum d'effort humain. Beaucoup de fraîcheur, du fruit. C'est un point important parce que la température fraîche la nuit permet d'avoir plus d'arômes dans les vins. Ce tonneau est réputé comme étant le plus vieux tonneau du monde et il l'est probablement puisque nous avons pu dater sa fabrication en 1432. Bon, l'année prochaine, il va couper là, il va enlever ces deux-là et c'est celui-là qui est plus joli. Mm-hmm. Et celui-là, forcément, il la sera là, il coupera à ce niveau-là. Un vin sec, beaucoup de fraîcheur, du gras. Ici, une bêche bien particulière qu'on appelle les pique-culs. Et on comprend bien pourquoi aussi. Faire une orangée comme ça, oui. 3 minutes. Un vin idéal pour l'apéritif et les fruits de mer. Bon, finalement, les vins du Luberon, évidemment, c'est pas une seule typicité, mais globalement, on peut dire qu'ils ont beaucoup d'élégance et de finesse. Bonne dégustation. En tant qu'habitante du sud de Luberon, je vous invite fortement à venir découvrir nos vins, découvrir notre région, découvrir notre culture à travers ce vin et à travers beaucoup d'autres choses très agréables dans cette région. Bon, allez, n'hésitez pas, vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, et très bien accueillis. C'est génial. Ouais.